Coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit unboxing Diamond Painting de chez Paint Some Way. Alors, c'est une commande que j'ai fait moi-même, ce n'est pas un partenariat. C'est ma mère qui m'a demandé si je pouvais lui faire une commande. Elle voulait des objets à diamanter. Et de ce fait, elle voulait des marque-pages. Alors, j'en ai jamais eu à diamanter, donc je ne sais pas du tout comment ça se présente, à part les vidéos que j'ai vues. Alors nous avons la petite barquette, la colle et le stylet. Les petits pompons qu'on met sur les marque-pages. Je pense que c'est ici, dans les trous. Pour accrocher. Ils sont super jolis en fait. Je vais le sortir. Évidemment, j'ai pas de ciseaux. On pourra pas dire que c'est pas bien emballé. Alors, voilà. C'est comme ceci. C'est joli. Hein. Donc les marque-pages, ce sont les femmes élégantes au chapeau. Elle adore ces modèles. C'est bien imprimé. Ça colle plutôt bien. Ah, c'est sympa. Hein. Et le deuxième modèle, c'est celui-ci. Ah, ça va lui plaire. Hein. Elle va être contente. En plus, je lui ai pas dit que j'avais reçu la commande. Alors, on avait commandé le 30 août et j'ai reçu le colis hier, le 23 septembre. Sur le site, c'est marqué qu'il déménage l'entrepôt ou un truc dans le style. Et du coup, ça mettait plus de temps à arriver. Mais bon, ça arrive en bon état. C'est le principal. Ici, nous avons... Paint Some Way, c'est une boutique chinoise qui vend Diamond Painting, point de croix et peinture à l'huile. Je ne sais pas si peinture à l'huile et peinture par numéro, c'est pareil. Aucune idée. J'en fais pas. C'est vraiment pas mon truc. Donc, nous avons... les diamants. Alors, ici. La caméra, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc c'est un peu blanc, jaune. Des petites gouttes rouges. Bon, en strass, je suis pas très calée. J'en fais vraiment pas. Oh là, c'est tout petit. Ils sont petits ceux-là. Ils sont jolis, mais ils sont vraiment petits. Bon, ça, c'est des... on dirait des diamants ronds normaux. AB. Blanc. Ici. Des diamants ronds noirs. Ici, des strass verts. Des strass orange. Gris transparent.
Voilà. Jaune vert, je sais pas trop. Rouge et un orange. Ça va être sympa. Je ferai tout ça tout à l'heure. Et elle voulait également un sac. Top bag. Quelque chose comme ça. Donc ici, vous avez la petite parquette, donc le stylet, la parquette et la colle. Nous avons les strass. Bon, si je perds la moitié, alors on va le faire. Donc ici, ils sont super beaux. Il y a des reflets de plein de couleurs. Des grosses gouttes orange, un peu nacré, enfin, avec des reflets comme les AB. Des oranges. Des gouttes. Petite goutte orange, celui-ci pareil, il y a pas mal de reflets, des petites rouges. Gris dans les tons marron orange orange vert rouge rouge rose et les AB vert. Alors, le sac, ah, c'est assez doux. Elle a pris un cerf. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Ah, c'est pas mal, hein, comme tissu. Voilà, fini. Ça a l'air assez costaud. C'est bien cousu. Là, c'est propre. Je suis collée à l'autre épée. Ça colle bien. Elle va être sympa. C'est assez grand quand même. Je croyais que ce serait un peu plus petit. Mais la taille est vraiment correcte. Donc dans cette boutique, j'avais commandé du diamond painting et moi, ben forcément, je me suis commandé du point de croix. Je vous ferai une autre vidéo. Faut savoir que quand on achète pour 30 euros, on a une blind box qu'on peut avoir gratuitement d'une valeur de 5,99 €. Et on peut choisir soit en diamond painting, soit en point de croix. Et moi, j'avais demandé en point de croix. Donc, je vous montrerai tout ça. Donc, sur ce petit unboxing, je vous dis, prenez soin de vous. Bon week-end.
et Kenavo.